Lorsque vous vous mettez à écrire un SMS à un homme, il faut que vous compreniez que cet homme n'est pas comme vous, ne fonctionne pas comme vous, n'est pas prêt à lire ce que vous êtes prête à lui partager. Nous les femmes, nous sommes des êtres d'émotions, nous sommes plongés dans nos émotions et du coup, nous aimerions toucher l'autre en véritablement verbalisant ce que l'on ressent. C'est pour cela que parfois, nous allons écrire de longs SMS. Et le fait d'écrire de longs SMS tue notre irrésistibilité, n'impacte pas. Ce n'est pas parce que vous allez mettre de super couches à ce que vous voulez transmettre que vous allez toucher l'autre droit au cœur. Mesdames, je vous conseille que lorsque vous écrivez des SMS, soyez brèves, soyez concises, soyez précises. Les hommes n'aiment pas lire ou véritablement se pencher dans cette zone d'émotion. Surtout lorsque vous êtes au début des relations, surtout lorsque vous commencez à conquérir l'autre. Bien évidemment, ce n'est pas que certains hommes n'écrivent pas de longs SMS. Il faut savoir où l'autre se trouve dans cette conquête amoureuse. Lorsque ce sont les débuts, un homme est prêt à tout faire. Et du coup, il va faire des choses qui sont contre sa nature. Et vous comprenez que ce n'est pas parce que l'autre agit de la sorte que vous, vous devez agir de la sorte. Si cet homme écrit de longs SMS, laissez-le écrire de longs SMS. Mais vous contentez-vous d'être bref, précise et de ne pas vous épancher.